Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander ce qu'il va se passer le 5 septembre prochain. Nous allons faire le premier WoWo Challenge Online. Nous allons vous inviter à dépasser les 5 freins qui empêchent d'aller jusqu'au bout de vos projets, de finaliser vos projets et de pouvoir vous épanouir professionnellement, personnellement et spirituellement. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté dans la WoWo Community qu'il y avait 5 freins qui revenaient de manière régulière chez toutes les femmes, mais aussi sûrement les hommes entrepreneurs. Donc ces 5 freins sont « J'ai peur de manquer de finances pour mon projet. J'ai peur de ne pas y arriver financièrement. » Deuxièmement, « Je me sens seule. Je ne suis pas bien entourée. Je manque d'un réseau solide. Je ne suis pas assez visible. » Troisièmement, je manque de temps. Je cours partout entre les enfants, les amis, la vie de famille. J'ai peur de culpabiliser ou je culpabilise de ne pas être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne sœur, une bonne amie. Ensuite, je manque de confiance en moi. C'est-à-dire que je manque de confiance en mon identité, ce que je suis vraiment, ce que je fais ou ce que je dis pour pouvoir accomplir mes projets, aller jusqu'au bout de mes projets. Et alors le cinquième frein, je manque de formation ou je pense manquer de compétences pour pouvoir accomplir mes projets, surtout dans le domaine digital ou le business plan, business model. Pourquoi ça me touche tellement en fait de partager le dépassement de ces 5 freins avec vous? Eh bien parce que moi-même, avant de reprendre WoWo Community il y a 3 ans et demi, j'ai vécu vraiment un divorce très pénible. J'ai aussi vécu un burn-out et je me suis retrouvée maman solo avec un enfant de 18 mois. Ça n'a vraiment pas été facile et je ne le souhaite à personne. Mais disons que ça fait du sens pour moi parce que ça m'a permis justement de dépasser ces 5 freins. Et allez savoir comme ça a été vraiment compliqué pour moi. J'avais effectivement très peur de manquer de finances et au début, effectivement, j'en manquais. C'était très difficile financièrement. Le réseau, quand on est séparé, divorcé, on a certains amis qui vous tournent le dos, donc c'était pas facile non plus. Et puis le manque de temps entre mon fils, entre la vie de famille, revoir un petit peu ses amis et travailler, c'était un vrai challenge. Le digital, lorsque j'ai fait des études, on parlait pas encore beaucoup du digital. Et la confiance en soi, effectivement, j'en ai manqué, je pense, comme beaucoup de femmes qui connaissent le syndrome de l'impostrice. Alors le 5 septembre prochain, comment ça va se passer? Ce sera entièrement gratuit. Donc on ne vous demandera pas de payer. Vous allez recevoir 5 PDF gratuits qui vous permettront de dépasser ces 5 freins. Avec des astuces, des exercices complets, on va vraiment vous accompagner step by step, la WoWo Community et moi. Donc comment ça va se passer concrètement? Tout d'abord, vous vous inscrivez via le lien ci-dessous. Vous complétez nom, prénom, adresse mail. Ne vous en faites pas, on respecte le GDPR et vous pouvez vous désinscrire quand vous le souhaitez. Ensuite, vous recevrez un mail avec tout le mode d'emploi. Comment suivre la communauté? Parce qu'on sera une vraie communauté à faire le challenge. Vous recevrez des vidéos en direct. Vous verrez, il y aura une belle énergie, l'énergie WoWo, une énergie de coaching, une énergie boostante, une énergie authentique. Donc on vous invitera à rejoindre le groupe Facebook. Vous recevrez par mail les PDF et des astuces. Et ensuite, jour après jour, on vous donnera ces astuces. Vous verrez, ça va être très, très, très sympa. Donc, inscrivez-vous ici. C'est entièrement gratuit. Invitez vos amis et collaboratrices à faire ce challenge avec vous. C'est encore plus chouette quand on est plus nombreuses et qu'on peut vraiment s'entraider et se soutenir. Et aussi, parfois, il suffit d'un déclic, d'une phrase, d'un mot, d'un petit partage pour que les choses changent et qu'on puisse se dépasser soi-même et dépasser ces 5 freins. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté.